Il faudra de la ciboulette aussi. Ciboulette. Moi qui croyais que ça arrivait qu'aux autres, Alain Chapelle, Bernard Lazo, Marc Verratti, Yannick Aleno, même Alexandre Couillon qui était l'année dernière, tu dis waouh, aujourd'hui tu vas succéder des grands chefs comme ça. Pour moi, c'est le César de la cuisine. Pour moi, cette éducation autour de la nature, cette passion de la nature, elle me sert au quotidien dans la cuisine, même si je suis enfermé dans une cuisine. Mais dès que je peux aller m'échapper, aller l'observer, aller m'inspirer, aller me ressourcer, c'est dans ma nature. Ah, c'est bon, ça.